masque pour cheveux aux huiles naturelles. N'oubliez pas de mettre un bonnet en plastique sur vos cheveux, et de laisser agir le masque pour profiter au maximum de ses bienfaits. Les résultats seront visibles dès la troisième utilisation. L'article d'aujourd'hui va aborder le thème des huiles et de leurs bienfaits pour la peau et les cheveux. Découvrez dans cet article un masque pour cheveux avec différentes huiles naturelles pour redonner de l'éclat à vos cheveux. De nos jours, les produits cosmétiques écologiques prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Et surtout dans celui des femmes, qui recherchent de plus en plus des produits sans substances dangereuses pour la santé. En effet, de nombreux produits peuvent contenir de grandes quantités de pétrole, de parabènes, de paraffines et autres substances très nocives. Ces composants sont très dangereux pour notre organisme qui met beaucoup de temps à les éliminer. Les produits cosmétiques écologiques et naturels donnent souvent de meilleurs résultats que les produits de grandes marques présentes sur le marché. Sans parler des prix bien plus économiques. Il faut aussi signaler que les produits cosmétiques écologiques utilisent des composants que l'on retrouve généralement à la maison pour préparer nos repas. Comme c'est le cas de l'huile d'olive qui jouit d'une très grande réputation grâce à ses diverses propriétés. Masque pour cheveux à l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce est parfaite pour les cheveux secs. Et elle évite que les pointes des cheveux ne s'ouvrent. On peut l'appliquer sur les cheveux en faisant un léger massage, sur les pointes ou sur le cuir chevelu, afin que les nutriments pénètrent bien. On pourra ensuite mettre un bonnet en plastique afin de maintenir la chaleur. Puis laissez l'huile d'amande douce agir comme il le faut pendant une heure. On peut ensuite utiliser notre shampoing comme d'habitude. Si vous utilisez un produit bio, ce sera encore mieux. Vous pourrez ensuite utiliser un après-shampoing si vous le désirez. Masque pour cheveux à l'huile de noix de coco. L'huile naturelle de noix de coco est vivement conseillée pour avoir des cheveux plus beaux et en bonne santé. Elle est notamment utilisée pour traiter les pellicules et les cheveux secs. Il faut savoir que l'huile de coco fortifie les cheveux. Elle leur permet de pousser plus rapidement de manière beaucoup plus saine. L'huile de coco doit être naturelle et non raffinée. Concernant son utilisation, elle s'applique comme l'huile d'amande douce. Si vos cheveux sont trop secs ou très abîmés par des colorations, vous pouvez utiliser de l'huile de noix de coco avec un peu d'eau. Frottez le mélange dans vos mains pour l'appliquer ensuite sur les pointes. Cette méthode permettra de les rendre beaucoup plus doux et évite les cheveux électriques. Masque pour cheveux à l'huile d'avocat. L'huile d'avocat s'utilise pour les cheveux abîmés et secs. Elle est beaucoup plus puissante. Ses pouvoirs régénérateurs sont nettement plus efficaces que ceux des autres huiles. Néanmoins, ce type d'huile est à éviter si vos cheveux sont gras. Pour l'appliquer, faites un masque et laissez-le agir pendant une vingtaine de minutes. Puis lavez et rincez vos cheveux. Vous pouvez répéter cette opération tous les 15 jours pour obtenir de meilleurs résultats. Masque pour cheveux à l'huile d'argan. L'huile d'argan est la référence numéro 1 en matière d'huile hydratante et réparatrice. Elle contient de grandes quantités de nutriments et d'acides aminés. Elle est donc l'une des huiles les plus courantes dans les traitements cosmétiques. On peut utiliser l'huile d'argan sur les cheveux gras ou secs. Et elle est également recommandée pour le cuir chevelu. Afin que ce dernier soit plus doux, plus brillant et soyeux depuis la racine.
Tout comme les autres huiles essentielles, il existe toujours des produits de contrefaçon. C'est pour cela qu'il faudra bien s'assurer qu'il s'agit d'une huile d'argan sans naturelle et bien conservée au frais. Vous pouvez réaliser un masque pour cheveux tous les 15 jours. Laissez-le agir durant une heure environ. Mais vous devez bien rincer et laver les cheveux après. Car l'huile d'argan a tendance à laisser une odeur assez désagréable si vos cheveux ne sont pas bien lavés après cette opération. Étaler l'huile sur tout le visage est également une très bonne idée pour une bonne hydratation et un effet jeune optimal. Ce que vous devez retenir est: tout d'abord, il est important d'avoir à sa disposition un bonnet en plastique afin que l'effet de l'huile soit plus pénétrant et plus efficace. Si vous avez des cheveux gras ou avec beaucoup de pellicules, il vaut mieux appliquer des gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé que l'on va ajouter à l'huile. Ajoutez 5 gouttes à chaque 100 ml d'huile. Ce mélange permettra de réparer les dommages subis par vos cheveux. Les résultats commenceront à apparaître après 3 séances de traitement. Vos cheveux seront alors plus forts et en meilleure santé. Pour terminer, peu importe l'huile que vous allez utiliser, vous obtiendrez sûrement de bons résultats pour vos cheveux, à condition de l'appliquer correctement et de bien suivre la méthode du traitement.